Salut à tous, c'est Chloé et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour l'épisode 16 d'Amour Sucré Campus Life, enfin la suite qui s'appelle Dans tes bras. J'ai trop hâte de le faire, donc ben j'ai envie de dire c'est parti. Que s'est-il réellement passé le soir de la fête foraine? Après une nuit difficile, te vider un peu la tête te fera le plus grand bien. Et rien de tel qu'une soirée en amoureux pour se détendre pleine. Oh, j'ai hâte parce que le petit moment qu'on a eu dans l'épisode 15, il était très court. Il était super, hein, mais il était trop court à mon goût. Et la fin de l'épisode 15, oh, j'avais trop hâte de faire le 16. Ah, c'est ma vie. J'ai foncé vers la porte des vestiaires. Kim m'a retenue par le poignet. Je te le dis avant que tu y ailles. Il y a beaucoup de sang. Il s'est fait poignarder. Quoi ? Je n'arrive même plus à réfléchir. J'ai regardé Kim et elle semble complètement paniquée elle aussi. Pourquoi m'avoir appelé moi et pas une ambulance ? J'aime bien la comparaison. Je sais pas. Il ne voulait rien entendre. J'ai insisté, il voulait s'en aller. Je refusais qu'il parte alors qu'il était blessé. Et il a accepté que je t'appelle toi, seulement toi. Je portais mes mains à mon visage immédiatement. Je n'ai pas crié. Ma gorge est serrée, mon regard embué de larmes. Oh, Nat, ça fait trop de la peine de le voir comme ça. Kim, appelle une ambulance. Non, Kim, non. Nat, arrête de jouer les idiots. Il faut tout de suite qu'on te prenne en charge. Réfléchis, Chloé. Si je vais à l'hôpital, ils vont forcément poser des questions sur mon agression. Je vais devoir porter plainte, sinon ça paraîtrait louche. T'as qu'à dire que t'as pas vu tes agresseurs. Tu portes plainte contre X. Oui, il faut absolument qu'il te soigne. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, mais avec un cri de rage, Nat s'est levé en me l'arrachant des mains. Il saute sur les côtes. Non. La dernière chose que je veux, c'est attirer l'attention sur moi. Mais le mec, il s'est fait poignarder, il veut se soigner tout seul. Mais quel débile, vraiment quel débile. C'est rien du tout, ces idiots m'ont loupé, la blessure n'a rien touché de vital. Mais what? T'en sais rien? Je l'ai forcé à soulever sa main et j'ai relevé son t-shirt sur son torse pour pouvoir voir la blessure. J'ai eu un haut le cœur. La coupure est nette et je vois clairement sa peau tranchée. Il y a énormément de sang. Je sens que je cède à la panique. Nat, j'en ai rien à faire. J'appelle de l'aide. C'est... Regarde ça, tu vas crever. Tu vas te vider de ton sang. Ne dis pas n'importe quoi. Kim a largement ce qu'il faut. C'est impressionnant, mais c'est rien du tout. Le mec, il a deux doigts de crever par terre. Il est en PLS, tu sais. Et non, c'est rien du tout. C'est superficiel. Oui, monsieur. A few moments later. J'étais tellement fixée sur la blessure. Je n'avais même pas remarqué les bleus sur son visage. Nat... Tu étais avec nous à la fête foraine avant que cela se produise. Je... Comment? Qui? J'ai été appelée, c'était une urgence, je ne pouvais pas refuser. Quand je suis arrivée, je me suis rapidement rendu compte que c'était un guet-apens. Mais c'était trop tard et ils m'ont tabassée. Et l'un d'eux a sorti un couteau. Bref, ils se sont enfuis après. Il faut arrêter ces salopards. J'insiste, Nat. Laisse-moi appeler une ambulance. Kim fait sûrement ça très bien, mais il faut que tu sois vu par un médecin. On inventera un mensonge, tu dis que tu n'as pas vu tes agresseurs, mais il faut te faire passer des radios, s'assurer que tu vas bien. Je ne sens déjà plus rien, tu vois, ça ne servira à rien. Je sens la rage s'emparer de moi. Mais moi aussi, meuf, moi aussi. C'était une tentative de meurtre. La prochaine fois, ils te louperont pas. Qu'est-ce que tu attends? Il faut qu'on appelle la police. Faut agir. On sera là pour te soutenir. Pourquoi tu crois qu'on m'a fait ça? J'ai suivi ton foutu conseil, j'ai contacté les flics. On était encore en négociation, il allait m'aider à m'en sortir si je l'aidais à démanteler le réseau. Ils le savent, je ne sais pas comment. J'avais pris toutes les mesures possibles. Mais ils savent que j'ai parlé aux flics. C'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus ce soir. La tête de Nat est brusquement tombée en arrière contre le mur. Nat? Ils l'ont frappé au visage, si ça se trouve il a une commotion interne ou je ne sais quoi. A few moments later. J'aurais dû appeler une ambulance tout de suite. Je me suis laissée embominer par ces sornettes. Ils ne voulaient vraiment pas que j'appelle qui que ce soit. Ne t'en fais pas. Nat sait se montrer très convaincant. Je suis au courant. Mais comment ça s'est passé exactement? Est-ce qu'il t'a appelé? Il est venu à la salle de sport directement après avoir été agressé? Non, je venais de partir et je suis tombée sur lui. Il était en train de marcher en titubant. Nous étions proches de la salle de sport, donc je l'ai ramené là-bas. Il a insisté pour que j'appelle personne. Il me menaçait de partir en courant si je le faisais. Mais pourtant, il a bien voulu que tu me contactes. C'est moi qui ai parlé de toi. C'est le seul moment où il a semblé mettre un doute, oui. Vous étiez à une fête foraine, c'est ça? Tu y étais encore, non, quand je t'ai appelé? Oui, d'ailleurs, il faut que j'appelle les autres. Tu leur as dit quoi? Que j'allais aux toilettes? Ils doivent être en train de me chercher. À cette heure-ci, j'aurais dû rejoindre Ryan. Lui aussi doit s'inquiéter. Et je n'ai aucun moyen de le contacter. Kim, ça va? Ambre, c'est Chloé. Chloé, tu es avec qui?
Kim, tu sais que ça fait des heures qu'on te cherche. Rosa est dans tous ses états, elle était persuadée que tu t'étais fait kidnapper dans les toilettes de la Fête Foraine. Désolée, tu peux les rassurer, je vais bien. T'étais où, ça va? Oh, mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce dilemme? Ambre, c'est Nat, écoute. Ça va, mais il s'est fait agresser, il est à l'hôpital. Quoi? Ils sont en train de s'occuper de lui, tout va bien. Il s'est fait rouer de coups, il a été poignardé, mais la blessure est très légère. A few moments later. Merci de m'avoir prévenu, il s'est fait poignarder. J'ai tout raconté à Ambre d'une traite. Voilà, je suis désolée de ne pas t'avoir prévenu, mais tu connais ton frère. Quel idiot. Il continue de me protéger comme si j'avais encore 6 ans. Je suis contente que vous ayez quand même transgressé sa volonté et que vous m'ayez prévenu. Mais de toute façon, l'hôpital m'a appelé. Vous n'avez pas encore eu de nouvelles? Non, ça fait des plombes qu'on attend ici, personne n'est venu nous parler. Pendant l'examen, il est tombé dans les vapes. Comme il n'est plus en état de répondre, nous avons contacté le numéro d'un de ses proches pour demander l'autorisation de faire de nouveaux examens. Ce sont dossier médical, c'est mon numéro qui est inscrit en cas d'urgence. Donc, ils m'ont prévenu. Il est tombé dans les pommes? Oui, elle m'a dit qu'un trauma crânien était envisageable. Homme s'est laissé tomber sur la chaise à côté de Kim. Un coup de couteau dans les côtes. Ils ont essayé de l'assassiner. Ambre a fondu en larmes dans les bras de Kim. Je retiens les miennes avec force. A few moments later. Nat a un léger trauma crânien, il va bien. Le coup de couteau n'a touché aucun organe. Il va passer au moins la nuit et la journée de demain en observation. Est-ce que je peux le voir? On va vous laisser en famille et rentrer avec Kim. Nous sommes rassurés maintenant qu'il est pris en charge. Merci infiniment de m'avoir prévenu. C'est normal, tu es sa sœur. A few moments later. Le bus est déjà là, j'ai couru et je suis montée dedans. J'ai plus de batterie, je ne peux même pas dire à mes amis que je rentre. Ryan doit m'attendre indéfiniment. Cette pensée m'a tordu l'estomac et il doit se demander ce que je fais. En descendant du bus, je me suis rendu compte que le retour à la réalité était plus violent que ce que j'avais prévu. J'ai repensé à ma première vision de Nat dans les vestiaires de la salle de sport. La panique ressentie à ce moment-là m'a repris. Elle est là! J'ai levé les yeux surpris sous le petit groupe est présent. Ryan aussi, je n'ai pas réfléchi en voyant, ma vision s'est embrouillée, la pression retombe tout à coup. Je me suis jetée dans ses bras, secouée de sanglots. Chloé, vous voulez que je vous accompagne à l'infirmerie? Je réalise que tous les regards sont braqués sur nous. On est dans la merde. On est dans la merde. Mais j'ai juste envie de m'abandonner dans ses bras et de me laisser aller. Venez, je vais vous aider à marcher. J'ai un peu repris mes esprits en entendant sa voix tremblante. Je me suis redressée en séchant mes larmes. Pardon, monsieur Zaidi, je ne voulais pas me moucher sur votre chemise. Il n'y a pas de mal. J'ai échangé un regard triste avec Ryan. Nous sommes bloqués. Je ne peux pas partir avec lui là tout de suite alors que... je rêve de le faire. Viens, on va te raccompagner dans ta chambre. Ok, je vous laisse alors. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah, c'est horrible! La situation, elle est horrible, pauvre! Et la pauvre, oh mon dieu! Ren avait dit ça en me lançant un regard insistant. Je le regardais sonner sans rien dire. Comment va Nathaniel? Ambre nous a expliqué brièvement ce que tu lui avais dit avant de partir. Je vois, eh bien, il va bien. Il a un léger trauma crânien, mais il est pris en charge et s'en sortira indemne. Dans l'agression, les larmes emprisonnent mes mots dans ma gorge. J'ai repris mon souffle. Il s'est pris un coup de couteau. Mais c'est superficiel, la blessure est superficielle. Le plus inquiétant, ce sont les coups qu'il a reçus à la tête et qui auraient pu causer une blessure interne plus grave. Bon sang, tu l'as vu? Comment as-tu su que... C'est Kim qui m'a appelé. Nat refusait l'aide de qui que ce soit, à part la mienne. Je pense qu'elle était paniquée. Elle s'est laissée embobiner par Nat et il lui a fait promettre de ne pas appeler l'ambulance. Elle a fini par le faire quand même. On était dépassés par la situation. Tu veux qu'on te raccompagne jusqu'à ta chambre, Chloé? Ou tu préfères ne pas aller te coucher de suite et en parler? Je crois que j'ai juste envie que cette journée se termine au plus vite. Franchement, elle vit des trucs, la meuf, mais va voir un psy, faut qu'elle aille voir un psy, je sais pas, mais elle vit des trucs depuis le début de Campus Life, c'est assez incroyable. Mes muscles et mon corps tout entier tremblent sous la pression, je ne m'en étais pas rendu compte. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai une analyse terre à terre et brute des choses, et pour moi, elle t'a mise en danger. Mais je suis là pour toi et pour lui aussi, s'il en a besoin. Ah, Castiel, c'est trop mignon. A few moments later. Je me suis mise au lit en laissant tomber ma lourde carcasse sur le matelas. J'ai revécu la scène de cette soirée en enfer. Les mots de Kim. Il y a beaucoup de sang. J'ai cru que j'allais assister à sa mort. Je tente de calmer le stress qui torture mon estomac. Il faut que je pense à autre chose. C'est Ryan. J'aurais voulu rester avec toi et te serrer dans mes bras jusqu'à ce que tu te sentes apaisé. Je déteste cette situation plus que tout au monde. Tu étais contre moi, en larmes. Et je ne pouvais même pas prendre soin de toi. Oh, mais franchement c'est horrible cette situation. Ces mots m'ont attristé et réconforté en même temps. Shani m'a discrètement fait comprendre qu'un de tes proches amis avait eu un souci, mais je n'en sais pas plus. Est-ce que tout va bien? J'ai répondu en lui résumant ma soirée compliquée.
Je ne suis pas rentrée dans le détail du travail de Nathaniel. Ryan est quand même prof ici. Je lui en parlerai peut-être. Mais il faudrait qu'on se voie pour ça. Je me suis contentée de dire que c'était une agression. Je suis tellement désolée de ce qu'il s'est passé ce soir. Si tu veux en parler, tu peux m'appeler. J'aimerais certainement en parler, oui. Mais je préférais le faire de vive voix. Quand je t'ai vue dans cet état, j'étais complètement démunie. J'aurais voulu t'emmener avec moi et sécher tes larmes. Il faut qu'on se voie cette semaine à tout prix. Oui, j'ai envie de te voir. Cette situation est de plus en plus frustrante. Je ferai ce qu'il faut, on va se voir dès cette semaine. Tu vas réussir à trouver le sommeil. Et mettre la BG à la main si j'ai tout. Si seulement. J'ai caressé l'écran de mon téléphone du bout des doigts en relisant les SMS encore et encore. Je te souhaite une bonne nuit. Essaie d'écouter de la musique, je sais que ça aide. A few moments later. J'ai machinalement attrapé mon téléphone en allant me brosser les dents. J'ai un message de Nat. Merci d'avoir appelé l'ambulance, j'ai été un crétin. J'ai beaucoup parlé avec Ambre. Je vais bien, je suis encore en observation, mais je ne devrais pas tarder à sortir. Le message a contribué à desserrer légèrement la petite boule d'inquiétude qui serrait ma gorge depuis hier soir. J'ai répondu en le remerciant pour les nouvelles et que j'espérais le voir bientôt en dehors de l'hôpital pour qu'on discute de ce qu'il s'est passé. Ça va ? Désolée, je suis dans mes pensées. Comment ne pas l'être après ce que tu as vécu ? C'est normal que tu y penses. Ça s'est passé si vite. À ta place, je serai encore sous le choc. J'espère qu'il va s'en remettre. Et je pense beaucoup à Ambre. Ça me fait de la peine pour elle. C'est incroyable. Tu es empathique à un niveau astronomique, tu sais ça ? Quoi, je... C'est un compliment venant de moi. Mais depuis que je te connais, je t'ai vu plus t'inquiéter pour les autres que pour toi-même. Mes amis comptent pour moi. Bon, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Mais je ne veux pas que tu me prennes pour une folle. Toi, folle ? Non. Ce ton ironique est plutôt inquiétant. Plus rien ne m'étonne venant de toi, Shani. J'avais envie de te confectionner un objet. Une amulette protectrice en bois de sorbier. Une amulette ? Oui, c'est pour éloigner les éléments néfastes de ta vie. Tu vas me prendre pour une folle ? J'aurais juste à le porter autour du cou. Tu veux que je le fasse ? Mais ouais, mais carrément, Shani, vas-y, fonce ! Tu rigoles ? J'adore tous tes petits gris-gris mystiques. Oui, j'en veux un. Je te préviens, ce n'est pas à prendre à la légère. D'accord, j'y ferai attention, c'est promis. Je te l'amènerai demain. Nous avons discuté toute la journée de phénomènes surnaturels. Elle en connaît un rayon sur le sujet, c'est passionnant. Elle a vraiment un don pour me faire penser à autre chose. C'est Ryan. J'ai beaucoup de travail demain encore, mais je serai à la bibliothèque. On pourrait réviser ensemble. Réviser ensemble. Intéressant, j'aime bien la possibilité de réviser avec Ryan. Le message m'a fait sourire, j'ai répondu immédiatement. Réviser ensemble entre professeurs et étudiants, ça se fait ? Pourquoi pas ? Après tout, c'est un lieu commun à tous. On peut se trouver assis à la même table sans que ça paraisse suspect, non ? Je ne sais pas, mais je donnerais n'importe quoi pour te voir. J'ai pensé au fait d'aller chez moi, mais j'ai peur que cela éveille les soupçons, surtout pendant les vacances. Je sais. Pourtant, c'est comme ça que ça aurait dû se terminer notre soirée hier soir, non ? Oui, même si ce n'était pas très raisonnable. On ne peut pas agir un peu si impulsivement. Si. Non, si. Même si j'en rêve. J'ai posé mon téléphone sur mon lit avec un soupir. On va donc passer l'année à discuter par SMS et s'échanger des regards de loin. J'ai repris mon téléphone. Toutes les nuits, je pense à cette fois où tu t'es endormie dans mes bras. Où on s'est enfin retrouvés seuls, toi et moi. C'était si déchirant de quitter cette chambre. De laisser la chaleur de ta peau. Oh ! Dès que je ferme les yeux, Chloé, c'est ça que je vois. C'est nous, en paix, et enfin ensemble. Oh, c'est trop mignon ! Je ne sais pas si on arrivera un jour à retrouver ça, mais je sais que toutes les occasions où j'arrive à t'approcher, même sans pouvoir te toucher, ne sont pas des secondes gâchées. Oh ! C'est trop beau ! C'est si poétique ! J'adore ! J'ai relu ces messages plusieurs fois, le cœur battant. On ressent la même chose, la même frustration. Si jamais tu viens à la bibliothèque, on pourra toujours en parler de vive voix. Essayer de trouver un moyen. Enfin, on pourra chuchoter. Je viendrai, évidemment que je viendrai. J'ai si peu l'occasion de te voir en dehors des heures de cours. Je ne louperai ça pour rien au monde. Je suis heureux de lire ça, je te promets. Un jour, on pourra se promener main dans la main, aller au cinéma et au restaurant. J'ai hâte. Bonne nuit, à demain. Braoum ? Qu'est-ce que... Désolée si je t'ai réveillée. J'essayais de ne pas faire de bruit quand ma valise m'a glissé des mains. J'ai émergé en comprenant rapidement que Eileen avait dû déplacer sa valise encore ouverte. Tous les vêtements sont étalés au bonnet de la chambre. Ne t'inquiète pas, tu veux que de l'aide pour ramasser ? T'es gentil, mais je vais me débrouiller. J'ai vu Eileen ramasser rapidement une nuisette en dentelle et la fourrer dans sa valise à la vitesse de l'éclair. Ah ! Eileen ! Elle voit quelqu'un. Oh,
Elle voit qui? J'ai trop envie de savoir. Tu pars quelque part? Je pars en vacances. Je serai de retour le dimanche, juste avant la rentrée. Je pars avec deux copines. Donc tu as la chambre pour toi. Ah! Nous avons la chambre pour nous avec Ryan. Cool! Tu ne vas pas voir ta famille de ton côté? Non. J'ai bien envie de profiter de mes vacances ici. Bon ben, bonnes vacances. Ah mais tu pars tout de suite. Oui, les filles m'attendent. Je les vois flamber depuis la fenêtre. Ça fait une demi-heure qu'elles sont là. Jetez un coup d'œil vers la fenêtre, moi aussi. Effectivement, une fille qui était avec nous en cours et que je connais très peu est appuyée sur une superbe voiture décapotable jaune flamboyante. Wow, ça fait très cliché de film pour ados. On a le droit de se marrer de temps en temps. On a échangé un sourire juste avant qu'elle ne passe la porte pour de bon. C'est plutôt agréable de pouvoir échanger sans que tout tourne au cauchemar. Les choses ont bien changé depuis le début de l'année. Ah ben oui. Coucou. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, Chani. Elle m'a tendu un collier qui semble artisanal. Une sorte de petit bout de bois avec des symboles gravés dessus. Et un fil rouge en guise de lien. Comme promis, le pendentif qui te protégera des éléments néfastes de ta vie. Prends-en soin, je dois filer. Merci, Chani. J'ai observé le petit objet que j'ai placé autour de mon cou avant de choisir une tenue. Il faut que je rejoigne mon rendez-vous. Ah! Je suis déjà dans la bibliothèque. La seule place de livre pour travailler est à côté de moi. Trois petits poignets. C'est bête. J'ai vu un rictus amusé, je me suis empressée de rejoindre la cour. Il ne faudrait pas que quelqu'un me pique la place. Il m'a fallu quelques instants pour parcourir la salle du regard et le voir m'observer avec un sourire. Je me suis avancée vers la table, il est au fond. Tous les étudiants présents ont le regard rivé sur leurs écrans respectifs. Je ne peux m'empêcher de me dire qu'ils doivent forcément entendre les battements de mon cœur. Ou ma respiration qui se fait plus courte au fur et à mesure que je m'approche du bureau où Ryan est installé. Bonjour. Ça ne vous dérange pas si je m'installe ici? Pas du tout, je vous en prie. La place en face de lui est libre, mais il a étalé ses affaires en laissant la possibilité de m'installer à côté de lui. J'ai fait exprès de me rapprocher ma chaise en m'asseyant. Ainsi, nos bras se touchent presque alors que nos mains sont posées sur le clavier de nos ordinateurs respectifs. Comment vas-tu? Il parle en chuchotant. Personne ne peut nous entendre. Dans notre dos, il n'y a que le mur. Et on a vu sur toute la bibliothèque en face de nous. Ça va, mieux depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Comment va Nathaniel? Il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. C'est gentil de demander des nouvelles. C'est normal, tu semblais infiniment infecté. Oui, c'était très choquant. Difficile de penser à autre chose. Il a attrapé discrètement ma main sous le bureau. Je suis désolée. Je suis là si tu veux en parler. Je pense qu'il faudrait qu'on soit dans un endroit plus tranquille pour pouvoir aborder le sujet. Mais oui, ça me ferait peut-être du bien d'en discuter. Je suis là pour ça aussi. Te voir dans cet état avant-hier soir m'a brisé le cœur. Je voulais t'aider et je ne pouvais pas. Jette un rapide coup d'œil à son écran. Sur quoi tu travailles? Je ne travaille pas, enfin, c'est plus personnel. J'éloignais mes yeux de l'écran. Désolée, je ne voulais pas paraître trop curieuse. Non, à vrai dire, ce n'est pas un secret non plus. J'écris des nouvelles que je poste en ligne. Ah, c'est trop cool! J'en apprends tous les jours sur toi. Tu as l'air d'avoir besoin d'exprimer ta créativité par tous les moyens. Ça ne me surprend pas vraiment. Tu m'as plutôt bien cernée sur ce point. Sur ce point? Ça veut dire que je ne me suis déjà trompée sur d'autres sujets? Non, pas encore, effectivement. Une notification est apparue dans ma boîte mail. C'est Ryan. Il m'a envoyé le lien qui mène à ses écrits. J'ai immédiatement cliqué, intriguée. C'est un Tumblr. Un Tumblr. J'ai jamais su comment ça se prononçait. Il y répertorie toutes ses nouvelles. Je l'ai parcouru rapidement. Les plus vieux billets datent d'une dizaine d'années. Waouh, il y en a un sacré nombre. C'est un de mes passants favoris. Tu écris quel genre de nouvelles? Eh bien, ça dépend. J'aime bien me challenger. Certains des articles portent le hashtag horreur, d'autres érotiques ou encore fantastique. Je lis beaucoup et j'aime me prêter à cet exercice. C'est ça aussi qui me rend créatif pour mes cours. Je descends le curseur sur la page rapidement. Il y en a vraiment beaucoup. Je suis plutôt admirative. Il ne faut pas, c'est juste un passe-temps. Oui, mais tu partages ça gratuitement, accessible à tous. C'est comme si tu offrais une partie intime de toi, de façon généreuse et gratuite. J'aime particulièrement cette façon de décrire l'écriture. On offre toujours une partie de soi quand on écrit, c'est vrai. Je vais en lire quelques-unes. Quoi, maintenant? Tu es en train d'écrire, je ne veux pas t'interrompre et j'ai toujours aimé lire. Ok. Ça a l'air de vous déranger, monsieur. Je n'ai pas le droit de les lire. Disons que quand ce sont de parfaits inconnus qui lisent, c'est bien plus facile d'accepter leur retour que quelqu'un qui compte colossalement pour moi. Ah! Colossalement! Ah, c'est trop mignon! Colossalement? Excessivement même, je dirais. J'ai d'autres adverbes. Plantureusement, immensément, furieusement, diablement. J'adore, vas-y, continue. Il me transperce avec son regard. Ah oui? Oh oui, bien plus que je ne le contrôle. Oh, il rougit, c'est trop mignon.
J'ai pris une grande inspiration pour retrouver ma contenance. Bon. J'adore sa réaction. Il a tapé légèrement sur la table avec son poing. J'ai été surprise par son geste soudain. Ça ne va plus être possible. Je ne peux pas me contenter de chuchoter toute une année. J'ai besoin de te parler, de te toucher, de t'embrasser. Mes mains deviennent moites. C'est ce que je veux aussi. Viens chez moi ce soir. Ah oui, 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 oui. Oui, alors là oui. Quoi? Mais je croyais que... Je sais que c'est dangereux. Mais on prend des risques tous les jours, toi et moi. Même maintenant. On fera attention, je te ferai entrer à un moment où il n'y aura personne dans la rue. Et ensuite on s'enfermera, on baissera les volets. Et quand il sera l'heure de partir, eh bien, tu n'auras qu'à rester. J'aime beaucoup ce petit plan. Ce petit plan est très intéressant. Ce regard pénétrant m'empêche de penser raisonnablement. Viens au moins pour le repas, on avisera après. On pourra parler sans chuchoter, je pourrai enfin approcher. Ce regard est descendu sur mes lèvres, il les observe avec envie. Ta bouche. Je morme légèrement ma langue pour tenter de contrôler le flot d'émotions qui passe dans tout mon corps. Je viendrai ce soir, et j'ai déjà hâte. J'y pense tout à coup, mais ce soir pourrait être... Le soir? Non, c'est idiot, c'est une soirée comme une autre, enfin, il l'a dit lui-même. Une soirée d'où je pourrais ne jamais repartir. Une pensée m'a figée tout à coup. J'ai fait une rapide introspection mentale de mon placard. Mes sous-vêtements datent du lycée. Elle est sérieuse? Elle est sérieuse, en 5 ans, elle a pas racheté des sous-vêtements. Si jamais on devait... Bref, non pas que je n'assume pas mes sous-vêtements du lycée, je les aime, ils sont confortables, mais un petit tour dans une boutique de lingerie pour me renouveler ne serait pas de refus. Reviens sur terre, Chloé, tu te fais des idées, il ne va rien se passer ce soir. Ça va, à quoi tu penses? Si tu savais... Ah, rien. J'étais en train de penser à une stratégie pour venir discrètement. Je t'appellerai comme pour le cinéma, je te guiderai pour qu'on soit certain que l'endroit est libre. Allez, c'est parti, nous on va acheter des sous-vêtements. Alors, l'ensemble noir avec le soutien-gorge qui se détache par l'avant, pratique. Alors, ça c'est casse-ciel, si jamais. Fin, sans armature, et vert, ça change, j'adore. Ça c'est Priya et Ryan, du coup. Et le buset fleuri, c'est... Youn et Nathaniel, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la baie fin sans armature et vert, ça change, j'adore. Et en plus, moi, je suis très vert en ce moment, donc ça tombe super bien. Allez, la baie. Bah, pas le 2. Mais du coup, le vert, il est trop beau, j'adore. Allez. De toute façon, c'est le truc de Ryan, donc j'ai pas le choix, mais je vais Ryan. Mais j'adore. Alors, rejoins ta chambre pour te préparer. D'accord, j'avais oublié cet objectif. Je me suis douchée et maquillée légèrement. Voyons voir ce que je pourrais mettre. Quelque chose que je n'avais jamais mis encore. J'ai oublié celle-là. Choisis la bonne tenue, on est obligé de mettre cette tenue. D'accord. Priya est en train de rentrer dans sa chambre, elle s'est stoppée en me voyant sortir de la mienne. Salut, des nouvelles de Nat? Je sais qu'il sort de l'hôpital aujourd'hui, mais je vais lui envoyer un message pour savoir comment il va. Contente de savoir qu'il s'en est sorti plus ou moins indemne. Oui, je ne l'aurais pas parié pourtant. Désolée que tu aies eu à endurer ça. Sinon, sur une note un peu plus joyeuse, j'ai le droit de passer le concours du barreau. Ah, ouais, je le savais, c'est génial! J'aurais aimé avoir ton assurance, mais oui, je suis vraiment soulagée. Tu m'étonnes, tu as dû passer les 2 derniers jours à te questionner. Je suis vraiment contente pour toi, tu le mérites. Tu es une justicière née. Merci. Bon, il va falloir qu'on fête ça alors. Il y a toujours une bonne raison pour faire la fête. Ah bah oui, clairement oui. J'ai avancé vers l'escalier en sortant mon téléphone, il faut que j'écrive à Nat. Je suis toujours en train d'écrire mon SMS en marchant. Oui, je suis rentrée chez moi, ça va. Ah bah on a la réponse en instantané, en direct. Mais c'est super! Oh! J'étais justement en train de venir à ta rencontre. J'ai pas pu m'empêcher de m'approcher de lui et de lui donner une accolade. Ça me fait du bien de le voir debout. La dernière vision que j'avais de lui n'était pas très glorieuse. Il s'est assis sur le banc de bus en me faisant mine de le suivre. Il boite. Ça va? Tu aurais dû m'écrire, j'aurais pu venir chez toi. Après plusieurs jours allongés, j'avais besoin de sortir. Je comprends. En fait, je voulais te voir en personne pour te remercier pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir tenu tête et de m'avoir aidé. Pas de quoi? J'ai eu vraiment peur pour toi, tu sais. À vrai dire, j'ai eu peur moi aussi. Du coup, quelle est la suite des événements? Est-ce que tu vas porter plainte? Tu m'as parlé de la police et du fait que tu sois en contact avec eux. Tu vas leur dire? Je ne sais pas. Je crois que mon esprit est bien trop embrumé pour réfléchir. Je vais me reposer pendant quelques jours pour prendre le temps, prendre du recul. Et j'aviserai après. Rester chez toi, ne crains pas. Ils ne risquent pas de venir t'attaquer chez toi? Oui. Je ne vais pas rester chez moi, je vais dormir à l'hôtel avec Ambre les prochains soirs. Juste le temps de trouver une solution. C'est une idée raisonnable. Merci de t'être déplacée pour me donner des nouvelles. Tu as été d'un soutien sans faille. Et tu sais me remettre les idées en place quand je dis n'importe quoi.
Bon allez, je ne te dérange pas plus, tu étais sur le point d'aller quelque part, il me semble. Je me suis levée du banc et il n'a pas bougé. Tu veux de l'aide pour te lever? J'ai vu que tu boitais. Non, c'est gentil, je vais rester ici un peu. Ok. Tu es sûre que ça va, Nat? J'avoue, c'est bizarre. Maintenant, ça va. T'en fais pas pour moi. Ok. Remets-toi bien, on se voit bientôt. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai acheté de quoi manger pour nous deux. Dis-moi quand tu es prête, c'est bon pour moi. Il faut que j'appelle Ryan pour le rejoindre. Ça sonne. Je sens mon estomac se contracter. C'est du stress, mais ce n'est pas désagréable. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en ville et disponible. Et toi? Laisse-moi vérifier les alentours. J'ai entendu des pas et une fenêtre s'ouvrir. Je te vois dans la rue. Ah bon? Oui. Je te reconnaîtrai à des kilomètres. Ah, c'est trop mignon. Il ne vaut mieux pas que je descende pour te guider, malheureusement. Tu peux avancer devant toi jusqu'au numéro 419. En gardant le téléphone à l'oreille, j'ai suivi les nombres des immeubles. J'y suis. Personne dans la rue et de toute façon, c'est qui tout double. J'ai entendu la porte émettre un claquement sonore qui se profilait dans l'entrée de l'immeuble. Je t'attends au 6e étage. J'ai raccroché avant de monter dans l'ascenseur. Je me regarde dans le miroir pendant que les étages défilent. Je touche mes cheveux, rentre sur mon haut de mon pantalon. Respire, respire. Bienvenue. Oh! Waouh, c'est trop beau chez lui, j'adore. C'est trop mignon. Avant même de découvrir l'appartement de Ryan, je n'ai pas su m'empêcher de me presser contre lui. J'avais tellement envie de ça à la bibliothèque. On s'est embrassés. Oui, j'adore. J'ai l'impression que la dernière fois que j'ai pu goûter à tes lèvres remonte à une éternité. C'est le cas. Oh non, c'est quoi? Le petit chien avec en ballon, je suis morte. Il a fermé la porte derrière nous. Tu m'as manqué. Il embrasse mes lèvres, mon manteau, ma mâchoire, mon cou. Son bras droit entoure ma taille avec force. Mais je n'arrive pas à garder les yeux ouverts sous la pression de ses mains sur mon dos, mon ventre, le côté de mes seins. Toutes ces semaines, nous avons attendu de nous retrouver seuls. Les yeux fermés, je vois défiler ces moments frustrants. Nos regards échangés en cours, nos caresses timides à la bibliothèque. Mes poils qui s'hérissent à chaque fois qu'ils me frôlent. Je me revois sur le lit, ce soir-là, dans la chambre de Shani, moi blottie contre lui. Combien de fois j'ai pensé à ce moment avant de m'endormir? Un râle rauque est sorti de ma bouche quand ses lèvres sont descendues sur mon décolleté. Il n'y a plus rien autour de nous. Je sens mon parfum piquant, sauvage, ça m'enivre, ça me rend dingue. J'aime trop la première chose qu'ils font, bah normal, hein, depuis le temps. À chaque fois, ils se vont en cachette, ils peuvent pas faire ça en fait, ils peuvent pas aller plus loin en fait dans leur relation. Et enfin, au bout du 16e épisode, ma main dans ses cheveux, je l'attire encore plus à moi, je veux sentir sa barbe agripper ma peau, plus bas, plus fort. Il m'a soulevé et j'ai enroulé mes jambes autour de lui. J'ai mordu le cartilage de son oreille. Il m'arrache. calmez-moi. Il marche, mais mes cheveux me bloquent la vue. Je ne sais pas où il m'entraîne. Waouh, sa chambre, elle est grande. Elle est trop belle, sa chambre. J'adore. Il s'est arrêté sur le seuil de la porte de sa chambre en me plaquant contre le mur. Je me tiens à ses épaules carrées, puissantes. Ses hanches se pressent contre moi. Il s'est écarté de mon visage pour planter ses yeux dans les miens. J'ai stoppé sa phrase par un baiser. Je veux encore sentir cette pression entre mes cuisses. Je veux sa peau, je le veux tout entier. Allez Marcel, on nique. Marcel, J'entrepris de déboutonner sa chemise. Mes pieds ont touché le sol quand il a eu besoin de me libérer de son emprise pour se défaire de sa chemise. Je promène mes doigts sur son torse. Sa peau est douce, totalement imberbe. Elle est si chaude. J'ai croisé mes doigts autour de sa nuque en l'entraînant vers le lit. Je passe mes journées à penser à toi, tu le sais. Il avait chuchoté ça dans mon oreille. Sa voix si douce a un effet électrique sur moi. J'ai envie qu'il continue de parler, j'ai envie de l'entendre encore. Ah oui? Comment ai-je pu tenir si longtemps sans pouvoir te toucher? En disant ça, il a griffé mon nombril gentiment. Sans pouvoir te parler, te voir, te dire à quel point je tiens à toi. Ah, mais ça, sors de ce jeu et viens dans la réalité, s'il te plaît. J'ai ouvert les yeux sous la surprise. Plus que de raison. Ma gorge se serre tout à coup. Cette émotion mélangée à mon excitation est d'autant plus exacerbée. Je la serrai contre moi, avec force, enfonçant presque mes ongles dans sa chair pour qu'il m'embrasse, pour qu'il me montre à quel point il tient à moi. Allongé sur le bord du lit, sa bouche descend dangereusement. Il balade ses lèvres sur mon t-shirt, ma poitrine, mon ventre, mes bras. Il est partout. Ses mains se sont stoppées sur le bouton de mon jean. J'ai senti comme une secousse. Il s'est éloigné, stoppant l'action. Quoi ? Il est venu s'allonger à côté de moi. Mes cheveux s'accrochent à sa barbe. Il a embrassé mon oreille. Nous ne sommes pas...
Je ne veux pas te... Rien ne nous oblige à franchir ce cap. Absolument rien, mais on s'en va les couilles, on le franchit quand même. Tu as raison, rien ne nous oblige... La baie, les amis, la baie. Mon corps frémit d'envie, je le veux. Viens là. Allez Marcel, on nique. Marcel, oh oh. Je l'ai attrapé par la ceinture, le forçant à basculer sur moi. Il se retrouve à califourchon sur mes hanches. J'ai ri de le voir ainsi, et il a souri à ma moquerie. Attention, dans cette position, je peux prendre le dessus. Il a attrapé mes poignets d'une main et les a maintenus au-dessus de ma tête. Avec la seconde, il en a profité pour soulever mon t-shirt avec douceur. Je sens le tissu remonter sur mes côtes, dévoiler tout mon corps. Il me regarde dans les yeux. Tu es si belle. Cette simple phrase a un effet exaltant. Les muscles de mes cuisses frémissent. L'adrénaline me donne de la force, suffisamment pour repousser son poids sur mes bras. Je le renverse sur le lit pour qu'il soit à mes côtés. Impressionnant. J'ai plus de force que j'en ai l'air. Je n'en doute pas. Je me suis défait de mon t-shirt, offrant à sa vue ma poitrine encore couverte de dentelles. Je rougis. Je le sais. Je me sens déjà nue, mais elle m'entoure de ses bras, me réchauffant, me rassurant. Je me sens bien. On a adouci nos caresses, tous les deux allongés sur le lit, seuls dans sa chambre, dans cet immeuble, dans cette ville. Il n'y a que nous, et la musique créée par nos souffles profonds. Je caresse sa joue en échangeant un regard. Les larmes ont serré ma gorge. Moi aussi, je tiens à lui. Je sens une connexion inexplicable entre nous, un lien qui me paraît indestructible. Mon index glisse sur son corps, le sien sur le mien. J'ai défait le bouton de son jean en même temps que ses doigts ont baissé le zip de ma braguette. Ryan, Chloé, j'ai envie de toi, j'ai envie de plus. Ces mots ont un effet immédiat. Je sens l'intérieur de mon corps se contracter tout entier. Mes jambes se tendent. J'ai attrapé mon poignet pour forcer sa main à descendre sous le tissu. Il est au plus près de mon corps, déjà au creux de moi. Mon souffle est bloqué, mais pas ma voix. J'ai poussé un gémissement de plaisir. Ses yeux flous, ses pupilles dilatées observent mes lèvres. Il a enlevé son pantalon. J'ai enlevé tout ce qu'il me restait au-dessus de la ceinture. Viens, viens. Il a sorti de sa commode un petit carré en plastique. Il a enlevé l'emballage du préservatif avant de venir s'allonger contre moi. Il parcourt ma peau, sa respiration haletante contre mon oreille. Je me suis serrée contre lui, il m'a fait glisser pour me rattraper de l'autre côté, mon dos contre son torse. Tous les deux allongés sur le côté. Il embrasse ma nuque. Il descend maintenant ses mains au creux de mes reins, à la naissance de mes fesses. On a tous les deux envie de se lier. Je le sens déjà glisser contre mes lèvres, plus bas. Puis je sens une force entrer en moi, lui arrachant un cri de plaisir dans une voix grave. Je voudrais rester en toi comme ça pour l'éternité. Ouh ! Nous dansons l'un contre l'autre dans un même rythme. Putain, je m'attendais pas à ce que, à ce qu'il pousse la description du moment aussi loin, entre guillemets. Mais c'est bien écrit, franchement je trouve que c'est bien écrit. Et le moment où il cherche le préservatif, c'est bien, ben, c'est cool de l'avoir mis, parce que les amis, c'est très important de se protéger. Voilà, protégez-vous, c'est super important. Sa peau est brûlante, ma respiration de plus en plus saccadée. Je m'agrippe au-dessus des draps, au coussin, à n'importe quoi qui peut m'aider à retenir cette explosion que je sens monter au sein de mon ventre. Ses doigts sont agrippés aux miens. Elle est trop belle, l'illustration. Non, franchement, elle est... Waouh, très sensuelle. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment pas vulgaire, je trouve. Elle est vraiment, vraiment sensuelle. C'est vraiment le terme. Et j'adore. Oh, le cul, monsieur. Ça y est, j'avais pas vu. Ah, joli petit cul. Hein. Non, franchement, elle est vraiment très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je la trouve très jolie. Ses bras m'entourent. Il me presse contre lui et embrasse ma peau. Même si mon cœur est encore affolé par ce qui vient de se passer, je me sens détendue. Je pourrais rester là contre lui la nuit entière. Essoufflée, je laisse retomber ma tête sur le drap. Elle rigole, je rêve. J'ai une soudaine envie de rire incontrôlable, encore sous l'euphorie du moment charnel. Pourquoi tu ris? Je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je me suis pressée contre lui, ma tête contre son épaule. Ses bras entourent ma taille, je me sens bien. Ma respiration a mis un moment à redevenir naturelle. Tu as faim? Je ne sais pas, je suis incapable de le dire pour l'instant. Même si mon ventre semble affamé. Au pire, on pourra garder ce que j'ai préparé pour le petit déjeuner. Tu as préparé quoi? Poisson au four et tomates marinées. Ah, super, le petit déj. Le four! Il s'est levé et a traversé la chambre en courant. En riant à gorge déployée, j'ai regardé ses fesses nues rebondir jusqu'à la porte. Il est revenu quelques instants plus tard en tentant de cacher son corps avec ce qui semblait être un des coussins du canapé. Mais c'est cool, mais n'importe quoi, pourquoi il fait ça? Hey, interdiction de se moquer. Il a sauté sur le lit et m'a embrassé sur la joue. Le poisson est fichu. Il est encore mangeable. On pourra en profiter pour le petit déjeuner demain. Idée ragoûtante. On fait ce qu'on veut de toute façon. La nuit nous appartient. C'est le meilleur sentiment au monde. Je me suis blottie contre lui et il a embrassé mon front. Terminé l'épisode. Ah!
j'aime, franchement, c'est la meilleure fin d'épisode ever. Non, vraiment, meilleure fin d'épisode. On a attendu ce moment de nous retrouver seuls chez lui depuis tant d'épisodes, depuis si longtemps. On est frustrés, nous. Pas vous, là, les autres qui n'avaient pas Ryan. On dirait, je vous jugeais pas du tout. Non, mais ceux qui ont pas Ryan, vous savez pas du tout, vous êtes pas obligés de vous cacher et tout. Nous, à chaque fois, on est en mode, putain, il va se passer un truc, il y a quelqu'un qui va nous découvrir et tout. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est... Ça rajoute un petit truc. Mais ça fait trop du bien. Franchement, je suis trop contente. En soi, il est beaucoup... Enfin, c'est cool parce qu'il est plus léger que le premier. Et... Ah, mais c'est vraiment la fin de l'épisode qui fait vraiment tout l'épisode, je trouve. Donc, bref, dites-moi tout dans les commentaires. J'ai trop hâte d'avoir vos avis. Comment vous avez réagi? Parce que je me doute bien qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu l'épisode, qui ont déjà fait aussi peut-être l'épisode. Donc voilà, mais dites-moi dans les commentaires comment vous avez réagi. Enfin, je veux savoir vos réactions dans les commentaires. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a Twitter et Instagram à l'écran et absolument tout en barre d'infos. Je suis aussi un peu plus active en ce moment sur Discord. Je suis en train de le configurer. Il y a déjà beaucoup plus de salons qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre, que dis-je, à nous rejoindre. On est déjà quelques-uns à être sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Vous êtes les bienvenus et du coup il y a le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur Twitch, j'arrive très bientôt. Donc voilà, il y a tout, vraiment tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!